Allô, mon camarade journaliste. Mon camarade journaliste, bonjour. Et bienvenue à ce présent conférence de presse de l'Union Maurice. Nous aujourd'hui, vendredi, le 19 juillet 2024. Alors, d'abord, l'Union Maurice, nous bien dire qu'il est bien satisfait, qu'il nous peut continuer à contribuer et mettre en place une nouvelle conscience politique et qu'une philosophie nouvelle, une remise en question de nos systèmes qui finit dépasser. Alors, ben, l'événement là, récent, au Parlement, avec la démission du speaker, avec la nomination d'un nouveau speaker, mais ça aussi maintenant une récente boule encore, davantage l'essence même de la démocratie parlementaire. Et qui fait à nous réaliser à quel point le système ne tient plus la route. C'est pour ça qu'il nous continue de dire, nous, que système bizin sans est. Quand nous arrivons à une situation, quand il y a un flou, un vide, un manque de foi dans nos constitutions, qui ne peut pas répondre clairement, lors les procédures même qui finissent adoptées, et les mérites qui finalement à bon changement dans le Parlement ça récemment, eh bien pour nous, tout simplement une perte de confiance de la population, une perte de confiance dans le fonctionnement même du Parlement. Nous, d'abord au Ligno Maurice et ensuite le LM, Ligno Maurice, qui nous prend la relais, nous finissons tout le temps proactif. Et ça, la population bien connaît la situation qui peut arriver. Aujourd'hui, nous, à l'Union Maurice, nous n'avons pas du tout surpris parce qu'ils doivent vivre dans un système qui est dépassé, qui peut engendre continuellement sa qualité de problème-là. Alors, nous considérons que nous fonctionnons comme un politicien éclairé. Et maintenant, les peuples comprennent qui est un besoin pressant pour amener une innovation qui s'impose à la Constitution, les rouges au l'eau, comme on peut quoi nous dire, et qui besoin qui nous banne la loi, nos constitutions restent dynamiques. Alors, les besoins morcent avec sur les temps. L'important qui nous aille vers une évolution politique qui morce avec la révolution et l'évolution technique, social et politique. Donc, nous ne sommes pas capables de dire ça de nos constitutions, puisque nos constitutions, il reste, nous besoin de dire, très statiques et pas répondre à aujourd'hui à un besoin de ce qui le développement côté l'île Maurice est arrivé. Ainsi dit, nous, au niveau de l'Union Maurice, nous pouvons continuer à mener une bonne réflexion, innovation, mais nous avons déjà fini. Nous avons une preuve qui m'a amené aujourd'hui pour démontrer aux autres que l'Union Maurice nous pas demain. Nous ne pas attendre qu'il arrive dans une situation comme ça. Là, on peut démontrer aux autres les documents, on vous rappelle ce qui nous appelle un budget alternatif qui amène une nouvelle philosophie qui manière faire et présente un budget pour nous adapter nous à ce monde moderne dans lequel nous arrivons là. Donc ça, un débat de documents très volumineux, beaucoup de réflexions, beaucoup de débats, beaucoup qui n'amènent à ça. Nous proposons constitutionnel amendement, l'amendement de la Constitution. Ce n'est pas juste un slogan creux. Voilà un document encore qui travaille et qui, bien sûr, nous capables encore de brainstorm, nous sommes capables d'améliorer, nous sommes capables de, comment dire, always room for improvement. Mais nous finissons à mener le document qui nous impose, nous comme une base, de presque complet, et nous avons un deuxième volume, évidemment, qui est en rapide travail. Donc, nous ne pouvons pas dormir, nous sommes proactifs parce qu'ils nous connaissent que la situation est dépassée. Et le Freedom of Information Act, qui est là, il reprend juste une phrase. Eh bien, nous, ce n'est pas une phrase. C'est un document important qui finit écrire, qui nous distribuer et qui
nous rérappelle, les bien besoin de temps en temps, nous rérappelle la Constitution, ce que l'Union Maurice peut faire et proposer pour amener sa changement en profondeur que l'île Maurice mérite. Donc pour nous, les parlements encore, qui fait arriver là, c'est une preuve de cette manque d'innovation dans les systèmes et qui permet une bonne difficulté partout. Donc voilà, en guise d'introduction pour sa conférence de presse là, moi, là, à ma gauche, mon camarade Nando Boda, et après, mon camarade Rabba Baladen à ma droite, pardon. Donc maintenant, moi, pour passer le micro, pour venir maintenant en détail de la situation quand nous arrivons aujourd'hui concernant nos démocraties en général, mais surtout nos démocraties parlementaires. Merci. Camarade Nando Boda, c'est à vous. Merci Jean-Claude. Hier, bonjour mon camarade de la presse et tout mon internaute qui peut être nous à Maurice et ailleurs. Hier, à l'Assemblée nationale en France, pour élire un président de l'Assemblée nationale, il fait trois votes. Il fait trois tours. Un premier tour, pas finalement une majorité absolue. Un deuxième tour, que pas finalement une majorité absolue. Et là, la Constitution française lui prévoit qu'il y a une simple majorité permette qu'il capable d'élire un président ou une présidente. Et finalement, la présidente sortante fin choisir. Le même jour hier, dans nos parlements, qui vient nous dire ça? Un jour de deuil, une moquerie de la démocratie. Nous appelons ça une farce, mais il y a un moment d'une grande tristesse. Mais Livine, pareil que mon camarade Jean-Claude Ndiali, Livine a pris une série d'événements qui vient montrer le fait qu'il finalement, Pravin Jagnat peina un sous-respect parlement. D'ailleurs, un sondage a démontré que la moitié, 50% du monde pense ça. Qu'il peina un sous-respect de mon institution. Et qui, notamment la façon, ça, moi, vous prends ça, le vote qui finit hier, comme l'exemple. L'IPN a un sous-respect pour les institutions et pour le Parlement. Et l'IPN impose la dictature parlementaire avec Sourouj Fokir. Et l'IPN impose la loi de la cuisine pour ce suivi politique. Quand nous guettons la façon, nous, le type est servi Fokir, nous tu peux appeler goalkeeper, nous tu peux appeler comme le dernier rempart du gouvernement Jagnat. Mais de la même manière, MBC, ce directeur, c'est pareil. Et c'est un crime contre la démocratie tous les jours, avec la propagande. C'est pareil pour Financial Crime Commission, l'ancien DICAT, c'est pareil, dossier dormi dans le tiroir. Nous, Kili, moi comme Premier ministre, au camarade Rama comme Premier ministre, comme leader of the House, nous pouvons exiger qu'il y ait une unanimité dans leur chambre concernant le choix d'un speaker, même s'il est sorti des rangs de la majorité. De la même manière, il y a un consensus, une unanimité pour le député speaker qui nous voulait les sortis des rangs de l'opposition. Camarade Ramain cause l'eau des grandes qualités qu'un speaker bisaina, il pour récolter ça, il cause ça dans le communiqué qui nous soumet à la presse hier. Le speaker, c'est the custodian of parliamentary democracy. Quand nous get House of Commons, Lok Sabha, quand nous get l'Assemblée nationale. Bisaina a tout pris la sérénité au niveau des législateurs. Bizena, ban député qui participe pleinement au débat et à la définition des nouvelles législations. Et surtout, le speaker a une grande responsabilité, c'est protéger l'opposition.
comment nous dire, government of the day will have its say, with its, it will have its main, its way. Mais l'opposition must have its say. Ça, c'est le principe même de la démocratie. Alors, hier, un jour de grande tristesse, une atmosphère de deuil. Et le speaker, quand il nommait, il n'est pas même fini capable de faire ce discours. Il renvoie ça, il suspend la séance. Et après, il passe la loi extrêmement importante. C'est le Anti-Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism, qui est la loi et qui, avec un amendement extrêmement important, exigé par le FATF de l'Union européenne, surtout après nos passages dans la liste noire de l'Union européenne et la liste rouge et noire d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne. Ce financing of political parties bill qui panne passé, il tombe dans la juridiction là, en fait, parce que ça, la loi là, il concerne la fraude, l'argent sale, il concerne le financement des organismes de terrorisme, il concerne tout l'argent unjust enrichment, et il donne l'indication de la probité, l'intégrité de nos centres financiers. Qu'ils ont fait? Ils ont profité du fait que l'opposition n'est pas là. Quand ils font, après la suspension, quand ils reviennent, ils ont passé la loi là en toute catimini, et la loi aussi importante, qui porte l'image de l'île Maurice comme un centre financier concernant les investissements et concernant la lutte contre la fraude et la corruption, la lutte contre le narco-économie. Et moi, moi, ministre des Affaires étrangères, au moment que nous la guerre pour tirer Maurice la liste noire de l'Union européenne, de FATF, et la liste rouge ailleurs, après beaucoup d'efforts. Et là, c'est vraiment un jour triste d'y expliquer qu'une manière, au fait, ce parlement-là, finalement, l'invite une force avec le leader de House, c'est-à-dire Pravin Jagnat. Bon, vous dire un mot, Soukhout Fokir. Pendant les 10 dernières années au House of Commons, naming, c'est la sanction la plus sévère contre un député. He's being named. La LAB a fait une motion pour suspendre un certain nombre de séances. Pendant les 10 dernières années, House of Commons, il y a des députés qui font name. Ici, Fokir fait name un djimoun presque à chaque séance. Il élimine tout ban djimoun qui est dans l'opposition. Alors, cette dictature de parlement fin faire parce que le leader of the house il servit le parlement comme un instrument stratégique de suivi politique. Et pour ça, nous condamnons Pravin Jagnat. Parce que Pravin Jagnat, finalement, il n'est pas croire dans le parlement. Quand nous guettons le fait que Prime Minister's Question Time, qui dans le passé, c'était 5 questions, 6 sessions, aujourd'hui, c'est une récitation, une récitation pendant 30 minutes avec une question. Et le speaker, jamais guette du côté de l'opposition, jamais nous gagne supplementary question. Alors, pour nous, avec le renvoi des élections municipales, avec la façon, la procédure qui finit appliquée pour la nomination, l'élection d'un speaker, et nous pose la question, vous pensez vraiment pour prendre ça à l'air, qui fait le deputy speaker du mouvement libérateur n'a pas fini nommé comme speaker, parce que pour l'opposition, Moussir, c'était un choix. Pour nous, en tout cas, c'était un choix naturel. Et nous, Sir, qu'il y pour amener sa sérénité, sa stabilité qui nous souhaitait, nous tous, dans le Parlement. Donc, pour nous, le choix naturel aurait été, bien sûr,
nos camarades Nazorali, et les Tibizins, autrement, in the chair, s'il y a une élection du speaker. Alors voilà un peu ça, finalement, nous guettons un coup de qui parlement est venu, qui le speaker est venu, le speakership est venu, il rentre dans la stratégie politique pour le reste, comme un drama pour causer. Mais de l'autre côté, nous pas attendre grand-chose de l'alliance parti-travail, c'est même. Parce que nous tout connaît qui quand Pravin Jagnat qui vient leader de l'opposition, il n'est pas de faire aucune séance comme leader d'opposition. Au fait qu'il est arrivé, c'est qui Ram Goulam et Béranger qui ferment parlement pendant 9 mois, avant les grandes élections de novembre. Donc, en termes de démocratie, le système est insensé et nous, nous devons prendre l'engagement au niveau de Nino Maurice, avec tout bon camarade qu'il a, pour amener, pour donner le Parlement sa dignité, sa lettre de noblesse, et qu'il vienne vraiment le temple de la démocratie, que la voix les peuples tendaient, mais il vienne aussi l'endroit que nous sommes capables de légiférer dans les meilleures conditions. Parce que nous disons, il y en a beaucoup la loi. L'opposition, parfois, vient avec beaucoup de propositions. Là, déjà, il y en a une proposition de nos bons camarades qui travaillent avant nous au niveau de l'Union peuple mauricien, qui nous vient reprendre au niveau de nous l'Alliance, au niveau de nous l'unité, nous l'action unitaire. Alors, nous n'avons aucune leçon pour recevoir et nous n'avons aucune confiance, c'est ça le mot, qui Ram Goulam et Béranger pour amener notre Parlement. Par contre, nous nous pouvons donner la parole et l'assurance que le Parlement est pour un temple de fierté pour la démocratie et pour le peuple mauricien. Voilà ce que moi, je tiens à vous dire. Je passe la, camarade président. Encore une fois. Je passe la parole tout de suite à camarade Ramon Lamadien pour son intervention. En 2009, les Nations Unies, à l'unanimité, votent pour déclarer un jour spécial, c'est-à-dire les 18 juillet, pour célébrer, mémoriser, inspirer de la vie d'un grand Dimoun. Ben Dimoun, qui met de pas avec Gandhi, Martin Luther King, bien sûr, tout camarade inconnu, parce que Lord Nelson Mandela. Hier, c'était la journée de Nelson Mandela. Et à Maurice, qui pas célébré journée Nelson Mandela, hier, nous célébrer dans la honte. Nous célébrer la honte hier. Comment dire, nous contents que la honte forme partie de nos paysages politiques. Nous contents que Dimoun fait traite. Nous comptons qu'ils disent, ils ramassent notre parole, faire les contraires à ce qu'ils ont dit. Hier, nous trouvons que dans le Parlement, la démocratie est bafouée comme jamais est bafouée. Nous finissons là le jugement du juge Lala, le Corrible Device. Nous finissons là beaucoup de choses au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est la première fois qu'il y déroule ainsi. Qui fait nous dire que c'est la première fois? C'est parce que pour nous, sa pseudo-démission de M. Fokir, parce qu'ils ont dit, il n'est plus nornier, de M. Fokir, c'est une forme de hold-up. Indiali à l'hôpital, Indiali, tu as besoin de démissionner, tu n'as pas encore démissionné. Et quand il n'est pas encore démissionné, il y a qu'il une lettre qu'il a envoyée au clerc, head clerk de l'Assemblée nationale, qui partage après avec tous les membres selon la loi. Alors, ce qu'il lui-même lui sorti, lui dit, malgré lui dans intensive care, lui causer. Il dit, moi, pas encore démissionné. Mais, pas de visage, il a dit sur les quais, il a dit sur la tête. Parce qu'il semblait clair qu'il soit lui malade dans la tête, parce qu'il n'est pas capable de connaître pas lui démissionner, il n'est pas démissionné, soit clairement, c'est qui le premier ministre, il a menacé
à l'hôpital. Nous aurions dit bien, le Premier ministre, il a menacé à l'hôpital, il t'a bizarre aller, nous finis décide pour toi aller, et sa lettre qui t'en a envoyé là, nous n'en a raison pourquoi, et ce mot dit lentement, nous n'en a raison pourquoi, qui, le monsieur Fokir, ce lettre, ce date, fin mettait, elle ne joue pas lui qui remplit la date. Il grave ce qu'il nous peut dire. Et nous ne trouvons pas dans une instance, nous ne trouvons systématiquement qu'il est déroulé dans plusieurs cas. Je ne trouve le cas du démissionnaire du numéro 10. Je trouve que le Premier ministre servit tout ce pouvoir, et ben pouvoir de la cuisine que dit fait bien fort pour éliminer Benjimoun. Et là, nous vînons ce deuxième parti parce que l'élection du speaker, c'est sous la section 32 de la Constitution qui nous est là, qui rôle le speaker, comme il est dit, après l'élection, c'est un premier qui chose. Et hier, c'était pas le premier jour de l'Assemblée, que le deputy speaker, Tiblin Stepin, qu'ils ont fait tout pour que le deputy speaker reste à l'écart. Crise constitutionnelle, mérite une case devant la Cour suprême, qui n'a pas pu écouter ce qu'à l'autre prochaine élection, après prochaine élection générale. Mais, il donne nous un aperçu du chef mafia, c'est-à-dire Pravin Jagnat. Comment il opérait? Et vous connaissez, si vous avez tout film mafia, quand le parrain India ou bien aller, non seulement où aller, mais comment vous fini accepter pour aller, ou gagne ou coup de balle. Ce qui n'arrivait, nous ne trouvons dans sa semaine-là. L'in fait devant nous-mêmes. Et ça pousse certains dimoun pour régler circonstances et vitesse avec lesquelles tu fais à sœur Aniru Jagnat même aller. Qui vitesse et dans qui circonstances il fait y aller. Même affaire, il fait hier. Et qui nommait? Il nomme Adrien, par exemple, je vais définir encore, Adrien Duval. Je tellement dire quelque chose et écrire à Adrien Dépiné, mais au moins il est intelligent. C'est un bon avocat colonial. On peut dire ça, l'Adrien Duval. Hein? L'Adrien Duval, encore une fois, je te fais un hold-up, l'ONU l'intelligence. Je te fais nous croire qu'Adrien Duval, il gagne une lettre d'amour soudainement de Pravin Jagnat pour faire lire, pour offrir lire le poste de speaker, qui lit en tant que bon fils, il pas de même India sur papa, et l'inaccepté, parce qu'il en vit une sauve Maurice. Il en vit une sauve l'Assemblée nationale. Ça même dit moun qu'il y a une caisse, l'Oli, ça même dit moun qu'il met une caisse, et dit bon, m'a retourné, parce que nous allons aux archives ce matin, l'équipe de l'Union Maurice, et m'a fait où, rappel, qui en novembre 2019, Adrien Charles Duval met un case contre Electoral Commissioner, met un case contre Returning Officer, met un case contre Electoral Supervisory Council, met un case contre Steve Obigadou, dans présent Steve Obigadou, met un case contre Sikken, met un case contre Dundou, met un case contre Bois Saison, met un case contre le feu Guimbo, etc., etc., pour venir dire que l'élection MSM intriquée, pour mettre une caisse qui lui vient dire que serious abnormalities, paragraphe 7, and irregularities were noted and expounded. T'as l'air, ben, camarade, t'as une copie. Lui dire, le dixua, qui dixua in done ben l'autre, illegally, unlawfully give instructions to the presiding officer, on reserve ballot, c'est-à-dire qu'il vient dire qu'il y a une trick élection. Ça vient dire. Hier, nous venons trouver comment viole la démocratie, comment viole la démocratie parlementaire, comment viole les procédures parlementaires, comment faire hold-up. Mais déjà,
après les élections, on dit que l'élection n'est pas finie. Et ça, ben, dit, aujourd'hui, ça, dit, aujourd'hui, il a accepté le speaker de l'Assemblée nationale. Alors, il a une capitale. Les enfants qui pour gagner 3000 roupies. Il pour gagner un allowance de 270 000 roupies. 3000 roupies pour les enfants. Et papa, il est petit, pour petit, gagne un allowance de 270 000 roupies et pour monter une pension à vie. Hier, pour faire quoi? Pour faire la honte. Un discours, il n'est pas même capable de tenir une conférence de presse pour venir dire. Et, je vais faire une parenthèse, et pour venir dire nous qui le PMSD n'est pas au courant, ami de la presse qu'il a, je prends le même comme témoin. Mercredi soir, la presse, il n'a pas de question Xavier Luc Duval, il ne pose question Adrien Duval, il ne pose question les autres membres du PMSD, les autres sortis pas loin de là, et mon suivi, moi-même, moi ici, moi suis ensemble avec camarade Jean-Claude Barbier, tiens les autres journalistes, parce qu'il y a une grande réunion de l'Union Maurice ici même, avec camarade Nando et tout mon camarade. Il vient nous refaire nous croire qu'il n'est pas connu du tout, qu'ils sont garçons pour nommer. Enfin, je peux reconquifier le peuple, je peux reconquifier les journalistes, et aujourd'hui, enfin là, peut redire nous qu'Adrien Duval, fils, Adrien Duval, il co-cufiait aussi Xavier Luc Duval. Ne si vous croyez ça, Abbé Mosuetou, mettez vos souliers en bas l'orbe de Noël pour un cadeau, ça l'année là. Bonhomme Noël pour passer à travers la cheminée ou sur l'imposte. L'éclair, camarade, qui c'est une machination de Pravin Jagnath, chef de la mafia, et ça date bien en avant. Nous donnons bénéfice du doute, nous dans l'Union Maurice, à Xavier Luc Duval, quand il fait un appel à l'ASOA, toute l'opposition extra-parlementaire. Parlementaire. Il y a besoin de tout. Mais nous tout y trouver. Pas ça qui n'arrive. Il amène tout du monde, il redambe tout du monde, il redamène tout du monde en bateau pour y aller avec MSM. Et je finis discute au niveau. Mercredi soir, je finis discute au niveau du PMSD qui élection pour en novembre. Qui élection pas pour avant en novembre. Donc je discute ben affaires qui nous causaient. Et là, moi, fais l'appel à Ben Dimoun, qui m'ont toujours très tranquille, silencieusement, religieusement, un vice-ex extraordinaire, Ben Kiti, qui n'a le joint, l'Alliance Travailliste, MMM, Ben Nouveau Démocrate, qui zotit dans réunion, quand il cause le chiffre de 200 millions de roupies. Vous connaissez un l'argent qui appelle Dot. Mal. Je veux dire, là où elle a gagné, là, qui brille, là? 200 millions? Barenandine, Diali, presque, ben, qui est sorti là-bas, il n'a pas ici. Est-ce qu'il n'est pas ici? Si, il y en a d'autres, moi, pas connais. Mais est-ce qu'une démocratie capable d'être autant bas, nos élections capables d'être autant bas, money politics capable de rentrer autant profondément dans la chair des Benjimoun qui peut faire politique? Voilà la raison qui fait nous nous dénoncer déjà au départ, nous premiers pour dénoncer. Nous premiers qui dit qu'Adrien Pévin, speaker, tout le monde, même un journaliste qui est présent, il prend nous. Non, attendez un petit peu, nous guetter. Comment dire, je parle quoi? Je parle quoi qui après dimanche, vient lundi? Comment je vois pourquoi après lundi, vient mardi? Nous rédiageons. Nous diageons. Est-ce qu'ils ont quoi qu'ils avaient du val pour assise dans l'opposition? Est-ce qu'ils ont quoi qu'il a Xavier Duval assis dans l'opposition, hier, lui-même, une table-là plus belle, là, ce garçon, il nommé. Je ne pérennise sa dynastie, le système de dynastie. Nous, nous comptons ça. Et qui nous peut proposer? Il dit, bon, je te connais. Nous tiennent communiqué hier, qui nous envie un changement profond dans les fonctions même du speaker. Section 32.
et nous dire, parce que je trouve un journal, il prend libre, parce qu'il y a une fois, moi j'ai dit, c'est mon gaz moi-même, moi pensais qu'il nous content pas là. Nous pas content débat. Nous pas content prendre la peine pour prendre des affaires qui sont un petit peu complexes. Et nous dire qu'il veut expliquer, comment pour nous expliquer, nous nous chance, comment dans deux, nous dire, à nomination même, ben poste clé. Si demain il n'est pas tout dans l'Union Maurice, peine à problème. Si demain il n'a aucun attachement avec l'Union Maurice, le speaker, encore plus bon. Mais je vous dis pour dire nous qu'Adrien Duval démissionne de toutes les instances du parti, mais Xavier Duval, pas tu au courant. Quel ignorant. Quel ignorant. Comme on dit, ou l'incocufié. Il vous a accepté. Soit l'incocufié, soit il menteur. Donc, entre cocu et menteur, il est bien accepté un entre les deux. Il est capable aussi un cocu menteur. Ou un menteur cocu. Hein? Il est capable de tous les deux. Nous dire, le speaker, pour responsable, change all standing orders. Nous pas pédia seulement remettre un dimoun, système pas censé. C'est qu'il n'a pas pédia où? Bise sens, manière, standing orders, parce qu'il 30 minutes donné pour Prime Minister's question, c'est pas suffisant parce qu'il ne pas rentrer dans le détail. Et, nous dire où changes in the manner, in the method, private notice question, prime minister's question, parliamentary questions are out. Ou imaginez un speaker qui a pouvoir pour dire un député qui ne peut pas répondre à une question, un ministre, pardon, qui ne peut pas répondre à une question, il n'a aucun pouvoir. Et hier, le démissionnaire du numéro 10 vient dire, tu n'as pas de question quand tu réponds. Moi, on répond tout. Il me dit hier, on écoutait. The National Assembly, l'Union Maurice, il dit, pour assiser toutes les semaines, pour un assis trois semaines congé. Parce qu'ils nous ont dit, retourne l'Assemblée nationale, la démocratie, dans le centre. Nous dit, assis trois semaines congé. Nous dit, pour un private mention, members motion bill. Vous connaissez? End of man case qui nous célébrait depuis aujourd'hui, et là, le 1er février, c'est qu'il amène ça dans l'Assemblée, c'est un membre de l'Union Maurice, nos camarades, Silvio Michel, et avant ça, le grand Rosemont, Guy Rosemont, qui amène le premier private members motion, qui demande qui le 1er mai joue congé, mais dans la logique de la fête des travailleurs, pareil comme Silvio Michel, il amène dans la logique de l'abolition de l'esclavage et tout ce qui suivent. Nous dire que le Public Accounts Committee bisait discuter ce rapport. Nous dire que le audit report pouvine dans la loi, dans le standing orders, qui bisait et n'a débat tout de suite. Et puis, il y a un jour du jour. C'est pour ça qu'il y a une leçon. Conventions qui Maurice pour signer. Pas capable. Demain, Nando a décidé. Ramon Van Aiden décidé. Jean-Claude Barbier décidé. Padma et docteur décidé Ramdeni. Et nous n'est pas passé. Les peuples bisait accepter qu'ils convention nous rentrer. Bisait et n'a débat à l'Assemblée nationale. And more importantly, nous dire qui si un bout de nos territoires, ne serait-ce qu'un centième centimètre carré, nos territoires, nous avons envie d'un pays X, pays Y, pays Z, ou les Martiens ou les autres, les bizarres passent à l'Assemblée nationale et voter à l'Assemblée nationale et non pas comment ils faire au niveau agaréga. Et nous dire qu'il section 111. Nous dire, section 29, un set d'affaires, nous pas une casse grand paquet dans référer à section 29 de la Constitution. Nous dire, section 29, il read only English and French also maybe use another language. Nous dire, la langue qui peut parler, get bien, et ben francophone si, ben qui content le français aussi. The official language of a national assembly shall be English, French and motion creole. Donc, nous n'amènons ben amendement. Et nous dire qu'il aussi, the speaker will be responsible of a youth parliament. Youth Parliament pour vivre un feature de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans nos premiers ministres, Yassizé, Barbier, nos camarades José Moore, tous camarades qui ministres, et ben député, Assizé écoute ben jeune qui est là pour dire, pas bien causé, pas nous nous causer, je t'écoute. Nous écoute je ben qui je t'ai là, pour dire. Et nous dire que ça, office de l'Assemblée là, bizarre d'une office qui vous sensitise la population maurice, l'eau la démocratie, l'eau la tolérance, l'eau la liberté, l'eau du human rights et ce que nous appelons les autres. Donc mes amis, qui fait un monde prendre le temps pour dire ça? Parce qu'il me connaît, qu'il dit monde là au moins pour écouter, mais tandis que les autres font 10 tapas, pas suffisant.
Simplement manifester sans même proposition, pas suffisant. Parce que nous trouvons plaisir qui finit arriver. Nous manifester dans le chemin pour démontrer, pour sensibiliser du monde. Nous dire, dans l'autre cas de figure, nous dire, shame is ashamed of you. Vous connaissez, si la honte trouve Xavier et Adrien, je vais mentionner aussi, mais la honte se tient à l'autre côté. Oui, la honte on paie. Et nous dit, Ali, qui fait Xavier pour sitting dans opposition, et vous connaissez que ça pour donner sur place que tu passes, ça pour donner sur place. Ce garçon pour donner place que tu passes. Et Xavier pour dire, pas mettre-moi près que sur Minaden, mettre-moi un petit peu loin sur Minaden. Mettez-moi un peu derrière Serf. Donc, mes camarades, quand vous guettez ce qui prenne, nous demandons maintenant le M. Fokir. Vous rédiez ici. Moi, je vais bien en déo, tout camarade. Nous pouvons dire, est-ce que M. Fokir, comme dans la tradition qui me commençait par le grand Mitterrand, François Mitterrand, donne ce bill of health, pour ben docteur signé. Tu ne comprends pas qu'il fait. Est-ce qu'il t'a fait opération? Est-ce qu'il vraiment t'a fait là-bas pour le cinéma? Nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas capables de forcer, nous ne sommes pas capables de tirer, nous ne sommes pas capables de gagner. Mais pour contrer à l'article 300 du code pénal. Nous dit à M. Fokir, dit à nous quand tu checkeras te l'aide. Quand tu types te l'aide. Qui t'en a type te l'aide? Parce que nous connaissons pas typer. Qui t'en a type te l'aide? Comment tu n'as pas eu te l'aide? Par quelle façon te l'aide il arrive dans la table clerc de l'Assemblée? M. Fokir, qui en a une grande gueule, m'espérer qu'il maintenant qu'il est sorti de l'hôpital tout de suite après, il n'a pas perdu sur la langue. Il est bizarre, order something, de demander. Nous demandons sa conversation avec le Premier ministre, il déroule 57 minutes d'après Ben Nurse. Indienne. Et tu fais le tour et loin. 57 minutes, mais what is the nature, what was plutôt, the nature of the conversation you had with the Prime Minister? Est-ce qu'il y a un poste réservé pour toi? Est-ce qu'il te finit de panga prison, vini, dégazé, pas faire élection jusqu'à me finir aller? Et dernier, nous demande M. Fokir, tiens nous. Comme il faut pour une mission, téléphone-toi, pendant que tu t'expliques, pour donner-toi certaines lots. Et pour terminer, nous ne perdions un goalkeeper, plutôt un SM, nous perdions un goalkeeper. Et là maintenant, on prend un nouveau goalkeeper, qui dit, il dit, il peut boire boule là-haut, et pénalty ici, il peut cabarrer, il dit. Ouais. Et donc, nous, ben camarades, prison nous pour faire l'italien d'un autre point pour pas mélanger, ben camarades, avec tout. Quelque chose qui nous connaît, je tout connais qui peut dérouler pour le moment. Et je tout une trouvé hier qui est nos camarades Boda, il fait nous honneur hier pour deux choses. Premièrement, nos camarades Boda, une boude, sa tamassa, Marie Boudou, pour dire un gros tamassa qui peut dérouler. Nous remercier, et nous remercier publiquement, camarade Nando. Deuxièmement, et m'espérer le Premier ministre un courage pour le faire. La MBC pour le faire, et si MBC n'est pas pour faire lui, je connais d'autres journalistes pour faire lui, et Darren aussi est content pour faire ça, pour présider ça face à face entre Jagnat et Nando Boda. Je répète lui, le dimanche, ben journaliste invite Pravin Jagnat, nous prenons Nando Boda comme nous représentants pour être face à face. De tout ben thème qui peut dire. Parce qu'il ne nous connaît pas pour venir premièrement. Parce qu'il connaît qu'il est dans faute. Il connaît qu'il y a une menteur. Il connaît qu'il y a une safe buffer. Il connaît qu'il y a une violée de la démocratie. Au fait, il y a une mule qui nous appelle un seal rapiste de la démocratie. Donc, ben camarades, politiquement, on nous réfère à l'appel à tout ben camarades dans numéro 10 pour soutenir le docteur Ramdeni. Et qui d'ailleurs, si vous écoutez l'interview hier, du démissionnaire, comment il s'appelle le démissionnaire? De Yal India, il n'est pas pour support d'Ayal dans le numéro 10, et nous connaît, et lui connaît,
Eline Diali, qui est dans le numéro 10 pour les partiels, nous qui vivons et nous qui vous gagnez dans le numéro 10. Mais seulement nous dit man, ben rouge, ben mauve, si je t'envie, élection générale vini, donne coup de main pour que le momentum vague la montée, et aussitôt vague la montée, de vous sauver, de pas pouvoir faire face à numéro 10. Bon, remercier aussi un camarade qui sur la question lors élection numéro 10. La personne qui peut répondre à cette question, c'est nos camarades Jean-Claude Barbier, qui est nos campaign manager, et aussi, bien sûr, à la candidate Ramdeni, qui tous les jours avec une équipe dans la circonscription. Ben camarade, moi, en dernier lieu, avec ben camarade, je tout connais qui nous peut fouiller le finance bill, et moi, je connais qui le finance bill, c'est qui est un plaisir, la loi, t'as la minute en séance travail avec camarade Ivo Tanyan, avec les autres camarades aussi, camarade Dave Sanasipé travaille là, mais il y a un travail d'arrache-pied, et nous vous donnons autres en écrit ce qui nous peut dire. Je vous dis bien, en écrit. Et nous invite la presse à guetter le finance bill en Angleterre, du Capaz. Ici, il fait le vilain foutu. L'attendre et nous vous commenter. Merci pour une écoute un petit peu long, mais seulement, il y a mon devoir, rentre dans les détails un petit peu d'autres. Merci. Non, quand on a face avec vous, à un hooligan. Quand on a face avec vous, contre un violeur de la démocratie. Ben, parlementaire, pas capable de faire autrement. Pas capable de faire autrement, pas le condamner à aucun moment. On vous donne un coup de main pour condamner et MMM, et travailliste, et Béranger pour venir, tu visais venir hier, parce qu'il ajoute, en tant qu'un des anciens parlementaires, il ajoute une prestance à l'occasion. Il me donne au contraire, pour moi, hein, malgré tout le monde qui a une position, il me donne toute valeur à l'occasion. C'est-à-dire, si tu as envie vraiment, hier, c'est remédier, mettre un dimoun, il nous a ajouté. Et je... Pas possible, ça a été fait. C'est Alain Garnier qui fait une conférence de presse après ça, dans l'incident-là. C'est lui-même qui me dit qu'il, selon ma logique, il dit comme ça qu'il le position est mal comportée dans le parlement. Ouais. En souris. Tiens, un moment d'emparlement concernant le financing political bill. Political financing bill. Et speaker. Les qui name Shakil Mohamed et toute l'opposition MMM travaille in les vénali. Moi, je tiens un choix. Soit moi, l'ensemble avec eux, en solidarité, ou soit moi, rester pour causer. Mais moi, rester, moi, causer, moi, tout seul face à la majorité. La mafia. Ouais, la mafia. La dictature parlementaire. Beyer, dans mon cas, qui m'offert, me rentre dans le Parlement, me pensait que l'opposition parlementaire, l'in fait ce qu'il est besoin de faire. Et l'in, ce qui est bon aussi, c'est que tout cela, on dirait qu'à aujourd'hui. Et si Spiken perdit son honneur, et il perdit sa crédibilité, c'est beaucoup grâce au fait que Jimoun trouve en direct les travaux parlementaires. Et alors, le groupe SIKN, ce n'est pas pour aucune séquence, ils sont en ligne. Mais il n'y a pas qu'à faire autrement. Parce que si il fait autrement, dis-moi, tu vous poses beaucoup de questions, mais qui peut arriver? Qui fait, il peut couper ça? Alors, moi, par exemple, dans vos cas, qu'est-ce que vous faites? Moi, tu vois là-bas, mais moi, tu causes avec mon bon camarade de l'Union Maurice. Moi, tu n'as pas fait une affaire, moi, tu n'as pas dans le Parlement. Et au moment où le Premier ministre présente un candidat au poste de speaker, Adrien Duval, moi, tu poses la question avec nous, mon camarade d'Union Maurice ici. Est-ce que moi, je suis capable de dire comme ça, mais moi, je présente le candidat de nos camarades Nazour Ali. Mais seulement, là, qui camarade Raman, dis-moi, avec raison, mais il faut des sauts parti plébiscite. Là, nous sommes capables. Nous ne sommes pas capables de présenter quelqu'un si sauts parti même, le ML, qui a dit encore une fois, lié le dindon de la France. Nous lui posons la question qui Colin David peut faire dans cette alliance-là. Mesdames,
pas d'analyse du tout. Alors moi, mon pensée, qu'il m'a déjà dit annoncé, parce qu'il nous tient un long réunion de travail, et m'a déjà annoncé qu'il m'a pas pris dans le Parlement, m'a pris dans la rue avec mon bon camarade. Et m'a pensé, la place, c'est ma place qui là-bas. Maintenant, l'opposition, tu es dans les couloirs. Et au moment du vote, je fais un bourrage, je crie la honte, nous commençons à crier la honte avant même. Et après ça, étant donné qu'il a presti dans la rue, tout le monde parlementaire vient dans la rue pour cause avec la presse. En tout cas, moi, je pensais qu'il a. Qui nous a pas fait? Il y a une petite chose là-dedans. Qui les autres petites choses que l'opposition a fait? Assisé? Get ça, crime là, ça viol là, faire? Nous pas capable de venir un témoin d'un viol. Nous besoin crier. C'est la cause de ça que vous pensez, l'opposition, crier? Non. Le Political Financing Bill, il fait partie de sa exigence de transparence qui le FATF demandait pour ne pas qu'il y ait leurs en salle dans l'élection. Ça veut dire le Political Financing Bill, il vient de créer un environnement code pénal money politics. Qui, c'est là qu'il rejoint la philosophie et les exigences de FATF. Qui nous parle l'argent sale qui rentre dans l'investissement, mais aussi l'argent sale par rentre dans le système de centre financier, l'argent sale par rentre dans financement politique et par rentre dans comme un investissement parce que les blanchiments, quand nous dit anti-money laundering, c'est le blanchiment. Et le blanchiment, c'est aussi, autant le blanchiment de l'argent sale que le blanchiment de la narco-économie. Pour répondre là. Non, moi aussi, qui quand nous trouvons Jagnat opéré, moi aussi qui est une menace. Moi aussi qui connaissant la Somalie, il y a un membre barreau, il y a un bon avocat. Mais comme on était hier, je presque partage l'opinion de Paul Bérangelo, ça est là. Tu attends au moins qu'il. Parce qu'il est député speaker. Oublier qu'il est membre d'un parti. Il a accepté qu'il lui aussi, il est coquifié. Comment dire, il me trouve ça. Comment dire, il est content lui aussi. Et c'est plus grave, ça c'est un jeune avocat. Ivan qui nous parle pas du tout. Connais les piquants, on suit ça bien. Depuis Avengers, petit man, Ivan réagir. Ivan aussi, il n'a pas fait trouver, il n'a pas trouvé, il n'a pas entendu, jamais l'entendu, mais c'est pas possible ça. Mais moi d'accord, c'est qu'il y a aucune question. Maintenant, je vais mettre une petite clarification, et peut-être que le forum n'est pas le bon pour parler de ça. Faut-il, dans la presse, une théâtre pour moi, qui n'est pas même au courant qu'il est déjeuné, et c'est qui, l'opposition était dans la conférence de presse, faut-il, c'est que les médias aussi, qui, en effet, la lettre n'a pas été écrite par Faut-il, et réunissent l'un convaincu de leur ligne à temps pour démissionner, pour faire la base. Ça, c'est la version d'un peu l'opposition de son ensemble. Mais le globe de l'Assemblée nationale, quand il recevra un lettre, et je présume que la lettre a été signée, il n'y a pas de vérification process pour être sûr que la lettre a été bien émise du bureau du speaker ou quelque chose. Sinon, tout le monde peut forger une lettre et dire que le speaker va démissionner. Deux points. Moi, nous dire un terme à Maurice qui nous servit souvent et qui m'a pensé, il rentre bien dans ce domaine-là, c'est il a été démissionné. Il a été démissionné. Deuxièmement, get ça. Un clock, il travaille avec le speaker. Quand il y a une lettre signée du speaker, moi, pas quoi, qu'il a une obligation de le vérifier de l'authenticité de la lettre. Je pensais qu'il, et avec le climat, l'ambiance qui peut régner, bon, je pensais qu'il, je ne vais pas défendre, mais la cloque, on m'a trouvé que c'est un document qui est signé par le speaker, donc c'est exactement ce qui était en train de se passer. Moi, je dis un coup de 32-5 avec de la fonction.
a person holding the office of Speaker or Deputy Speaker may resign his office by writing under his hand. Là qui dit, c'est pour ça qu'il nous fait du demande, parce que d'aller là nous demande rendre public. Tu vois, quelqu'un qui fait nous fait du demande rendre public. On nous pose question, on répond, parce que l'idiot Maurice ne fait pas des affaires au hasard. Writing under his hand, et pas sous signature. Et donc, il est important pour nous comprendre ça. Et pas oublier qui dans Maurice, nous n'y a qu'un sur Google Device. Nous n'y a qu'un sur Google Device, quand vous la mettez une CBRI under his hand, address to the assembly, and the office shall become vacant when the writing. Et writing about is received by the clerk of the National Assembly. Pas National Assembly, mais une National Assembly, section 111. Mais seulement, c'est qu'on peut dire, in, absolument, les Anglais l'aiment très fort, ça, c'est une fonction qui a été passée dans tous les Commonwealth. Ils mettent ça pour writing là, justement pour ces bonnes affaires là. Oui, pas démissionner. Oui, pas démissionner, pas faire dire rien. Mais seulement, c'est un qui nous dit, là, nous pouvons dire, encore une fois, suite à vos questions et suite à nous qui nous disons dans le communiqué, rendre public la lettre, la clause, bizarre, rendre public la lettre parce que sinon, nous pouvons, une conspiracy theory pour continuer à augmenter. Et beaucoup de gens peuvent dire que ça ne fait pas ce qu'il est indépendamment, mais juste qualifié. Non, mais il y a une procédure, déjà, la Constitution prévoit ça. Ce qui est bizarre, moi, mon pensée, ce qui est bizarre, c'est le leader of the house qui demande une consultation avec le deputy speaker. Le minimum, le deputy speaker. Parce que c'est ça, les bizarres demandent le deputy speaker. Mais nous rejoignons aussi, camarade Rama, qui fait un azurali pour faire valoir ce droit. Qui fait pour faire valoir ce droit. Donc le leader of the house, il a besoin de consulter le deputy speaker. Bien sûr, il a besoin de consulter ce speaker, ce qu'il vient de faire. Bon, mais est-ce qu'il y a une fausse liée à certaines autres affaires? Mais le procédure est déjà dans la Constitution, donc pas nécessaire qu'il amène le judiciaire là-dedans. Donc, si vous avez d'autres questions, camarades d'André. C'est bon? Merci beaucoup, hein? Bon, merci pour une bonne législature. Je vais poursuivre le commentaire, non? Différents amendements et grands amendements qui fait viser par lequel amendement, Finance bill. Et moi, indigent encore une fois, avec finance bill anglais, il dépasse. Et même le grand républicain. Voilà, merci à vos amis de la presse. Et à très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite un beau week-end. Et moi, invite vous à suivre une bonne action, le numéro 10, parce que pour nous, élection ENA ou PNA, nous pouvons prendre ça au sérieux. Et ici, nos camarades Nina Ramdeni et une équipe, rappelez-moi un jour sur le terrain. Et nous sommes capables de nous dire la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que dans la construction numéro 10, il est tangible, il est clair que la population anti ce gouvernement-là. Et ce qui fait que si nous organisons l'élection-là, nous donnons garantie qu'il y a Ramdeni pour Eli. Et nous invitons tous les camarades, docteur Nina Ramdeni pour Eli, donc nous invitons tous les camarades de la circonscription qui peuvent encore join, pour nous ensemble. Nous donner une leçon à la mafia qui prend ce pays-là en otage. Alors merci, bon week-end à vous tous. À bientôt.